l'épisode précédent nous avons vu que jésus est celui qui sépare le christianisme et l'islam parce que les deux religions en parlent mais d'une manière différente les musulmans disent que jésus n'est pas le fils de dieu et déjà ça c'est un mur pratiquement infranchissable pour beaucoup de chrétiens et nous avons amené des solutions à ces différentes en montrant que, en fait, l'islam pense autre chose que ce que les chrétiens pensent. C'est-à-dire que les musulmans pensent que Jésus est le fils physique de Dieu, que Dieu s'est marié, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la Bible, mais qui était effectivement le cas dans certains groupes de chrétiens au 4e, 5e, 6e et même 7e siècle, comme les adoptionnistes qui disaient que Jésus était un homme qui a été adopté par Dieu, euh, les coreligionnistes qui disaient que Dieu s'est marié avec Marie. Et même la doctrine des conciles d'Éphèse, de chalcédoine le Second Concile de Constantinople, disant que Marie est théotokos, donc elle a donné naissance à Dieu, qu'elle est la mère de Dieu. Le Coran refute ceci et la Bible refute ceci. Donc, en fait, si on regarde exactement ce que dit la Bible et ce que le Coran dit, eh bien, je pense que ces pierres d'achoppement, en fait, ne sont pas, mais sont plutôt des ponts que nous pouvons franchir pour mieux se comprendre et travailler ensemble pour montrer qui est vraiment Jésus. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous montrer qui est Jésus dans le Coran, car le Coran parle de Jésus. Et oui, le Coran parle 25 fois de Jésus, le nommant Al-Masih Isaïm Mariam, donc le Messie, Jésus, le Fils de Marie. 25 textes qui parlent de Jésus, c'est beaucoup, et ça vaut la peine de les analyser parce que les chrétiens aiment Jésus et vont peut-être dire Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant qu'on va apprendre dans le Coran, pourquoi pas et puisque notre sujet général est le cœur de l'islam, donc toucher le cœur du musulman, mais arriver aussi à avoir à cœur cette religion, à prendre à cœur ce qu'elle dit, peut-être que de lire ces textes qui nous parlent de Jésus vont nous édifier. Alors allons-y, essayons. Tout d'abord, une petite remarque c'est que si vous dites à un musulman que vous aimez Jésus, lui aussi va vous dire qu'il aime Jésus. Effectivement, les musulmans respectent énormément Jésus, en parlent beaucoup. Cependant, pour eux, Jésus est un prophète, ni plus ni moins. Il est un prophète parmi tous les autres. Et les musulmans vont parler de Adam, de Moïse, d'Abraham, etc., jusqu'à Jésus, qui est un prophète, et d'ajouter que Mohammed est le dernier des prophètes. Et peut-être aussi de vous dire oui, mais Jésus n'est pas fils de Dieu, et tout ce qu'on a vu la dernière fois dans l'épisode précédent. Mais la question, c'est qui est Jésus dans le Coran Est-ce qu'il est simplement un prophète parmi d'autres Est-ce que tous les prophètes sont égaux eh bien, nous allons voir ceci, tout d'abord en considérant le fait que le Coran emploie deux mots pour les prophètes, « rasoul » qui veut dire « messager » en général, et « nabi » qui veut dire « prophète », mais les deux mots sont en général interchangeables et le musulman les musulmans les utilisent pour un peu tout le monde. Donc, on ne va pas faire une différence, on va simplement employer le mot « prophète » et parfois « messager », mais ne vous laissez pas euh, déranger par cela. Le premier texte que j'aimerais lire avec vous est tiré de la sourate numéro 2, al-Baqara, où il est dit au verset 253 que... Parmi les messagers, Dieu, donc nous, nous en avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Le Coran dit ici donc que certains prophètes ont été favorisés par, par rapport à d'autres. Dieu a parlé à certains, donc Dieu, Dieu n'a même pas parlé à tous les prophètes, mais il y en a à qui il a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. Donc il y a une progression ici qui montre que tous les prophètes ou tous les messagers ne sont pas égaux, mais ils ont des places différentes devant Dieu, puisque Dieu en a favorisé certains, etc. Et alors, le Coran ici mentionne un de ces messagers, qui est Jésus. Pourquoi est-il mentionné est-il possible qu'il y ait une certaine progression ici, que Jésus ait une place particulière parmi les prophètes et les messagers Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant en étudiant ce que le Coran nous dit de Jésus. On commence par un texte que les musulmans connaissent bien et qui pose pas mal de problèmes. Car il dit la chose suivante, à Nissa, donc la soirée numéro 4, au verset 171. « Oh, gens du livre, vous les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie, un souffle venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. J'aimerais prendre ce texte en commençant par sa fin. Allah est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est ce que nous avons vu dans l'épisode précédent, que Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas de femme, il n'a pas de besoin charnel. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Avant ceci, il est dit que Allah n'est qu'un Dieu unique. Alors ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi Dieu n'est-il qu'un Dieu unique Le mot employé en arabe peut vouloir dire deux choses différentes. Soit seulement, soit vraiment. C'est le mot « innama ». Par exemple, si je dis que l'année prochaine, je vais acheter une voiture, ma femme va être contente, elle va dire « Ah, c'est bien, il va acheter une voiture, enfin, on va plus prendre le bus. » Elle peut aussi dire « Seulement l'année prochaine, pourquoi pas plus tôt ?» Vous voyez, ça peut vous la dire le 2, on accentue simplement le fait que je vais acheter une voiture. Bon, c'est une petite comparaison. Là, il ne s'agissait pas d'acheter une voiture, effectivement, mais il s'agit de dire que Allah n'est pas qu'un Dieu unique, mais il est vraiment un Dieu unique, comme je le montre ici sur cette slide. Mais le problème qu'on a, c'est que ce mot Inama, il est deux fois dans le texte. Une fois, on va traduire, comme tout le monde le fait, Allah est vraiment un Dieu unique, et non pas Dieu est seulement un Dieu unique, ou Dieu n'est qu'un Dieu unique. Mais quand il s'agit de Jésus, on va dire, il n'est qu'un messager d'Allah, alors qu'on pourrait très bien traduire, Jésus est vraiment un messager venant d'Allah. Voyez la différence donc le texte ne dit pas ⁇ N'exagérez pas ⁇ Jésus n'est qu'un messager ⁇ mais il dit ⁇ Il est vraiment un messager ⁇ Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, il y a encore une chose qu'il faut savoir, c'est que quand le Coran parle du livre, en fait, il ne parle pas de la Bible. Il parle de l'Ancien Testament. Eh oui, donc les gens du livre sont d'abord les Juifs, les gens de l'Ancien Testament. L'histoire de Mohammed, l'histoire classique nous dit qu'en 622, Mohammed arrive à Médine. Médine est une ville peuplée à 80% de Juifs. Et Mohammed, comme on va le voir, appelle Jésus le Messie, donc Al-Masih, Christ. Et les Juifs n'acceptent pas, ni à l'époque de Jésus, ni aujourd'hui, ni à l'époque de Mohammed, le fait que Jésus soit le Messie. Ils n'acceptent pas cela, donc ils vont critiquer Mohammed et rejeter son message. Et c'est là qu'au lieu de traduire oh, «» aux gens du livre, chrétiens, on devrait traduire oh, «» aux gens du livre, vous les juifs. N'exagérez pas, Jésus est vraiment un messager d'Allah. D'ailleurs, une petite note qui est très importante, c'est une histoire d'un petit point qui est différent dans le premier texte du Coran que nous avons, qui est effectivement ce texte, chapitre 4, verset 171. Ce texte est écrit à l'intérieur de la coupole du Dôme du Rocher à Jérusalem. Mais sur cette inscription, nous avons une petite différence d'un point. Ce n'est pas un raïn que nous avons, mais un haïn. Le texte ne dit pas la ta'olu, mais il dit la ta'olu. Donc la différence, eh c'est la suivante. Le texte ne dit pas « Oh, vous les Juifs, n'exagérez pas », la ta'olu, mais il dit « ne déviez pas », la ta'olu. Ne déviez pas dans votre religion. En effet, les Juifs déviaient en disant « Jésus n'est pas le Messie ». Mais Mohamed va leur dire vous les Juifs, ne déviez pas. Regardez la vérité en face. Jésus est vraiment un messager. Vous voyez que maintenant le texte, eh bien, il, il a un sens qui est, qui, qui oui, qui ça, 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 ça a du bon sens. Quelqu'un qui parle des Juifs en disant n'évitez pas de savoir que Jésus est vraiment le Messie. Et encore une petite chose ici que j'aimerais ajouter. Une petite chose très importante, c'est que le texte nous dit pas seulement que Jésus est vraiment un messager, mais il dit « innama al Issa rasulullah » qui veut dire Jésus est vraiment le messager venant d'Allah. Vous voyez comme le texte a une toute autre dimension que ce qu'on pense. Vous les chrétiens, vous exagérez Jésus n'est qu'un messager. Non. Le texte dit Jésus est vraiment le messager rasulullah, le messager qui vient d'Allah. Ensuite, il est dit que Jésus est sa parole. Jésus est la parole venant d'Allah, la parole qu'il a envoyée à Marie. La parole, c'est quoi Là, Quand on parle, on sait ce qui est, ce qu'est la personne. Si vous voyez quelqu'un qui a l'air super euh, mignon, tout ça, et puis euh, il ouvre la bouche et puis il dit que des bêtises, vous allez dire non, ça m'intéresse pas. La parole révèle qui est la personne. On pourrait même dire que beaucoup de gens ont peur de Dieu, Dieu, qui il est, tout ça. Il est très loin, il est très distant. Mais quand Dieu parle, alors ses paroles sont tellement belles, parce que ces paroles, c'est la vie de Jésus, ce que Jésus a dit. Dans la Bible, comme dans le Coran, puisqu'ici, Jésus a appelé la parole de Dieu. Il est aussi appelé esprit venant de Dieu. Ruch Jésus est un esprit. Si Jésus est parole, esprit, dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment encore que Jésus, c'est un prophète parmi les autres Mais aucun homme n'est parole venant de Dieu. Aucun homme n'est esprit venant de Dieu. On continue, un autre texte qui nous dit que Jésus est un signe pour l'univers. D'ailleurs, beaucoup de musulmans vont dire, oui, nous, nous avons Mohamed, vous, vous avez les, les chrétiens, vous avez Jésus, Jésus, donc il est un signe pour les chrétiens. Mais ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran dit que Jésus est un signe pour l'univers, non seulement même pour les chrétiens, mais pour l'humanité, non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Cette idée est reprise dans le chapitre 19, au verset 21. Où il dit que Jésus est un signe pour les gens et qui plus est, il est une miséricorde venant de Dieu. Donc, trois fois dans le Coran, nous avons l'expression minhu, de lui, ou minna, de nous. Jésus est ruh minhu, esprit venant de Dieu. Il est kalimatu minhu, parole venant de Dieu. Il est rahmatu minhu, ou le minna, « Miséricorde venant de Dieu ». Et à mon avis, c'est la meilleure manière de traduire l'expression métaphorique « fils de Dieu ». Jésus est l'envoyé de Dieu, car avec Jésus, Dieu envoie sa parole, il envoie son esprit et il envoie sa miséricorde. On continue. Dans le même chapitre, au chapitre 19, deux versets avant en fait, il dit que Jésus est « pur ». Jésus, le seul dans le Coran à être pur, c'est-à-dire sans péché. Le mot zakia veut dire en fait quelque chose qui a une bonne odeur. Et c'est le même mot qu'on retrouve dans le mot pour les offrandes zakat en arabe et en araméen, qui veut dire une offrande. Une offrande, c'est quelque chose qui en Orient a une bonne odeur qui monte vers Dieu. C'est pour ça qu'on utilise de l'encens, etc. Eh bien, Jésus est zakia, c'est-à-dire qu'il est comme zakat, quelque chose qui sent bon devant Dieu. Ce n'est pas seulement une pureté, donc. Moral, mais c'est plus que cela. Qui plus est, on revient à la sourate numéro 4, au verset 159, il est dit « Jésus sera un témoin envers les gens du livre à la résurrection. » Les gens du livre, donc, qui sont les Juifs. Certains traduisent « il sera un témoin contre eux » à la « ihim » mais je pense que la traduction « envers eux » est plus juste, bien que s'il s'agit des Juifs qui ont renoncé, qui ont refusé d'accepter Jésus comme le Messie, le texte aura un sens de dire que Jésus sera un témoin contre eux. Mais en fait, ce qui est important pour nous, c'est qu'au jour du jugement, eh bien, il y aura une personne qui sera là pour témoigner, et ce sera Jésus et Jésus seul. Jésus est le seul qui est béni, mubarak. C'est pour ça qu'un chrétien peut toujours prier avec un musulman au nom de Jésus, puisque les musulmans pensent que Jésus, c'est la Barakatullah, la bénédiction qui vient de Dieu. Trois versets plus tard, Jésus est l'expression de la vérité, Dieu est la vérité et Jésus exprime la vérité, ce qui est d'ailleurs logique si on pense que Jésus est la parole venant de Dieu, l'esprit venant de Dieu. Donc il est venu pour révéler le caractère de Dieu comme les paroles le font. Et ceci nous amène à un texte fondamental cette fois-ci dans le, la sourate numéro 3, Ali Imran, où il est dit au chapitre au verset 45, les anges dirent à Marie, ô Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Euh, petite correction, certains pensent que les anges viennent, viennent voir Marie en disant hey, « Eh, bonne nouvelle, tu vas être enceinte. » Pour Marie, ce n'était pas tellement une bonne nouvelle parce que elle avait peut-être 16-17 ans, elle était très jeune, elle n'était pas mariée. Donc, euh, être enceinte, ben, ce n'était pas, euh, pas génial. Or, le texte arabe dit « Ya mariamina Allah bi Marie, Dieu rend la bonne nouvelle concrète, palpable, bi kalimati minhu, par une parole qui vient de lui. Vous voyez, le texte est donc un peu différent. Jésus est la concrétisation de la bonne nouvelle. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, Jésus sera appelé, son nom sera Al-Masih ». Le Massi, le Messie. Et beaucoup se disent, euh, qu'est-ce que ça veut dire le Messie J'en sais rien. C'est vrai que... Euh, souvent on pense que c'est un rapport avec Masira, le voyage, donc Jésus a été un sort de vagabond. Mais, en fait, le mot Massi en arabe vient de l'hébreu Mashiach, qui veut dire euh, le Messie, et qui vient du verbe machar qui veut dire étaler. On l'en trouve dans la Bible dans trois contextes différents, lorsque quelqu'un avait peint des idoles, donc peindre, Jérémie au chapitre 9, dans le temple où les prêtres euh, mettaient de l'huile d'olive sur les petits pains pour qu'ils soient bien croustillants. Et troisième euh, euh, implication du mot mashiach, machar en hébreu, c'est quand euh, quelqu'un était choisi comme roi, prêtre ou roi, on mettait de l'huile sur la tête, c'était une onction donc euh, pour le rendre un messie. D'ailleurs, c'est le même mot en grec Christos qui a donné le Christ qu'on va Trouver bien expliqué dans Jean, chapitre 1, verset 41. En arabe, masaha signifie aussi oindre, frotter, mais aussi on l'emploie pour désigner l'application d'une huile sur une blessure pour la guérir ou pour la cicatriser. Donc, le Messie, al-Masih, c'est celui qui purifie, celui qui guérit, celui qui efface une dette. C'est celui qui nous protège et qui Procure le bien-être. Euh, Savez-vous que quand Napoléon arrive en Égypte en 1799, Napoléon entend le mot arabe massaha et il invente le mot français massage. Donc Jésus est un physiothérapeute. Le Messie, c'est celui qui fait ce que fait un physiothérapeute. Qui est quoi Eh bien, tout d'abord, lorsque nous avons des douleurs dans le dos, eh bien, il va nous enlever les douleurs. Et c'est pour ça que la Bible nous cite les paroles de Jésus qui dit, Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous qui avez un fardeau, je vais vous aider. Venez à moi, je vais vous libérer. Jésus est celui qui nous procure la paix intérieure, qui nous soulage de nos maux intérieurs. Deuxièmement, lorsque quelqu'un va au soleil, on va lui mettre de la crème pour le protéger du, du soleil. Eh bien, Jésus est le Messie parce qu'il nous protège, il nous protège de beaucoup de choses, il nous protège des mauvais esprits, par exemple, puisqu'il est là la bénédiction de Dieu. Lorsque quelqu'un a des rides, on va lui mettre de la peau made, du, du, du maquillage sur le visage pour qu'il soit plus beau. Eh bien, la Bible nous dit que lorsque nous sommes en présence de Jésus, Jésus va, va transformer notre apparence, il va nous rendre rayonnants, nos yeux vont avoir une autre, une autre radiation. Que, euh, un autre rayonnement que euh, sans lui. Jésus aussi va nous guérir. Comme une pommade qu'on met sur une cicatrice va la guérir, eh bien, Jésus peut nous guérir de nos maux extérieurs, mais aussi de nos maux émotionnels et de nos maux spirituels. Vous voyez que Jésus, donc, est appelé à juste titre le Messie, parce que c'est lui qui s'occupe de notre bien-être, salam, comme on dit en arabe. J'aimerais citer ici quelques aspects, comment la Bible présente Jésus comme quelqu'un qui satisfait tous les besoins. Dans Jean 1, il discute de besoins métaphysiques en révélant qui est Dieu. Au chapitre 2, Jésus est amené à un mariage, il est invité et il va s'occuper des besoins physiques, des besoins terre-à-terre, j'allais dire. Que ce couple a lors de la fête de leur mariage. Au chapitre 3, il va révéler le salut, la paix intérieure que Dieu seul donne à un intellectuel. Au chapitre 4, il va briser un mur, un mur en allant voir une femme étrangère qui a été abusée physiquement et il va répondre à ses besoins émotionnels. Au chapitre 5, Jésus guérit quelqu'un qui est euh, paralysé. Donc Jésus s'occupe des besoins physiques. Au chapitre 5, il se présente que le pain de vie à ceux qui ont faim. Au chapitre 7, il est l'eau de la vie pour ceux qui ont soif. Au chapitre 8, il va réhabiliter une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et il va lui dire, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc il va enlever la honte, il va enlever la culpabilité de cette femme. Au chapitre 9, il guérit un aveugle né en lui redonnant sa force physique mais aussi en sa place dans la société en lui redonnant son orientation. Au chapitre 10, Jésus se présente comme le bon berger, celui qui va s'occuper des petites brebis qui sont faibles. Et au chapitre 11, il va redonner la vie à Lazare qui était mort. Donc Jésus va ressusciter les morts. Vous voyez que comment la Bible montre Jésus qui s'occupe de tous les besoins de l'humanité aussi de nos de vous et de mes besoins. Qu'en est-il du de, de deuxième terme dont le Coran nous parle Les anges disent à Marie Son nom sera Massi ibn Maryam, Aïssa, Aïssa, Jésus. Effectivement, le mot Aïssa vient du grec, Yesus un mot qui lui-même vient de l'hébreu Yeshua, qui signifie à l'origine celui qui intervient dans une situation désespérée. Je pense que ça vous est arrivé, moi ça m'arrive d'avoir des problèmes, des problèmes d'argent, des problèmes physiques, peut-être des problèmes avec quelqu'un, et je prie, il n'y a rien qui se passe. Mais à la, au moment propice, peut-être même à la dernière minute, quelque chose se passe comme si Dieu, eh bien, il était Jamais en retard, jamais en avance. Dieu, il a une montre suisse, il est toujours à l'heure et il va s'occuper de vos problèmes. Si vous avez des problèmes physiques, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, je ne sais pas quoi avec votre employeur, priez. Vous allez voir que Dieu va répondre, mais va répondre juste au bon moment. Et c'est ça la signification de Jésus. Eh bien, comment cela est possible On va le voir dans la, la présentation suivante. Mais avant de terminer celle-ci, je vais vous montrer en quelques mots comment Jésus dans le Coran forme de la glaise souffle dedans et crée des petits oiseaux. Donc Jésus est le créateur. Alors que le Coran dit, personne ne peut créer, même pas une mouche en dehors de Allah. Mais Jésus lui crée un oiseau qui est beaucoup plus grand qu'une mouche. Voyez. Ensuite Jésus, eh bien, il va guérir un aveugle nez. Donc encore une fois, il va non seulement le guérir physiquement, mais lui redonner son orientation, sa place dans la société. De même, lorsque Jésus guérit un lépreux, il ne le guérit pas seulement physiquement, mais il lui enlève sa honte, il lui enlève sa laideur, il lui enlève la bénédiction que Dieu lui avait mise sur lui, donc le redonnant son honneur, sa place dans la société. Le texte dit que Jésus sait ce que vous mangez, il sait ce que vous amassez dans vos maisons, et dans un autre texte, au chapitre 5, Al-Maïda, on retrouve exactement la même chose. Nous voyons donc que Jésus dans le Coran a une place particulière. Il est Rasulullah, l'Envoyé de Dieu, Ayatullah, le signe d'Allah pour l'humanité, Shahidullah, le témoin au jour du jugement, Ruhminhu, l'esprit venant de lui, Kalimatuminhu, le Verbe, la parole venant de lui, Rahmatuminhu, la miséricorde venant de lui, Rahmatuminhu, une miséricorde al makhdi qui a été annoncée d'avance. Jésus est la révélation du caractère de Dieu, il est Kaul al-Haq, la transmission du caractère de Dieu. Il crée. Donc, vous voyez que Jésus n'est pas simplement un simple prophète. Mais, attention, et c'est là que les musulmans vont dire oui, mais il y a d'autres textes dans le Coran, comme celui-ci, qui vont nous dire Jésus n'était qu'un serviteur. Alors, si il était plus qu'un serviteur, pourquoi le texte nous dit qu'il n'est qu'un serviteur Le texte semble remettre les pendules à l'heure en disant, mais attendez, attendez, monsieur Romain, là vous allez trop loin. Jésus n'est qu'un serviteur, voyez. Et puis, vous avez dit que Jésus, il peut créer, qu'il peut guérir les malades, tout ça. Oui, mais vous avez oublié que le texte dit, il le fait par la permission de Dieu. C'est ce que les textes disent. En fait, on a le même problème dans la Bible. Dans la Bible, vous avez trouvé des textes qui semblent dire que Jésus est Dieu, puisqu'il a... Créer l'univers, il est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Il est appelé Dieu, Dieu puissant, Père éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Jean nous dit que la parole était Dieu et que tout était fait par elle, que la vie était en lui. Jésus dira que celui qui le voit, voit le Père. Et dans autre côté, on a aussi des textes dans la Bible qui disent, par exemple, que concernant le jour du jugement, Seulement le Père le connaît et le Fils ne le connaît pas, ni les anges. Ou bien notre texte dans Jean 17, verset 3, où Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, qui es le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il y a beaucoup de textes dans Jean, surtout au chapitre 5, où Jésus dit « Tout seul, par moi-même, je ne peux rien faire. Je ne peux faire que ce que Dieu me demande de faire. » Donc il semble que la Bible se contredit puisqu'il y a des textes qui disent que Jésus est Dieu, enfin qui semblent le dire en tout cas. Et les textes qui semblent dire que Jésus, eh bien, ce n'est qu'un serviteur, qu'il ne peut rien faire sans le Père, qu'il ne connaît pas tout, donc il n'est ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Alors qu'est-ce qu'on fait On peut fermer la Bible et dire la Bible se contredit, ou alors on fait comme certains que je nommerai pas, qui n'utilisent que certains de ces textes en disant oui Jésus n'est qu'un homme. Ou alors autre possibilité c'est de construire un pont entre ces deux groupes de textes. Remarquons donc que ce que nous avons dans la Bible, nous l'avons dans le Coran, où le Coran dit que Jésus est la révélation de Dieu, il est un esprit venant de Dieu, il est la parole de Dieu, il est la miséricorde de Dieu, etc. Mais il y a des textes qui disent qu'il n'est qu'un serviteur et que eh bien, tout ce qu'il fait, il le fait par la permission de Dieu. Est-ce que le Coran se contredit Est-ce qu'on doit ignorer certains de ces textes Eh bien non Évidemment que non, il faut trouver une solution. Il faut trouver un pont entre ces deux groupes de textes. Dans la Bible, le pont, eh bien, on le trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5, où Paul nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Deux points. Lui qui est de nature divine, mort fait, donc de nature divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à préserver à tout prix. Paul prend l'image d'un rapace qui a quelque chose dans sa main qu'il ne veut pas donner. Ou un enfant qui a un jouet, c'est à moi, je le garde. Donc Jésus n'a pas pris sa divinité comme quelque chose qu'il devait garder pour lui à tout prix, mais il y a renoncé. Il a renoncé à sa nature en prenant la nature d'un serviteur et en devenant comme les êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même, la mort sur la croix. Donc le pont entre les textes qui dit que Jésus est Dieu et que apparemment Jésus n'est pas vraiment Dieu, eh bien c'est que Jésus a renoncé à sa divinité pour devenir un homme. C'est ce que la Bible nous dit. La question, c'est est-ce que dans le Coran, nous avons un texte euh, semblable Eh bien oui, mes amis, il y en a un. C'est le texte Anissa, donc le, la Surah numéro 4. Cette fois-ci non plus au verset 171 que nous avons lu, euh, Jésus est vraiment le messager de Dieu. Juifs, n'oubliez pas ça, ne n'essayez ne, pas de dévier dans votre religion. Jésus est esprit venant de Dieu, il est parole de Dieu, etc. Et le texte continue en disant, mais le Messie n'a pas dédaigné d'être un serviteur. C'est-à-dire que le Coran présente au verset 171, Jésus qui est parole de Dieu, esprit de Dieu, l'envoyé de Dieu, en disant, mais il n'a pas dédaigné d'être un serviteur. Donc il est devenu un serviteur. Il s'est humilié, et c'est pour ça qu'il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est effectivement qu'un salvateur. En résumé, si nous regardons la théologie de Jésus dans le christianisme et dans l'islam, celle qui nous sépare malheureusement, on pourrait dire que grâce à une étude approfondie des textes sacrés des deux religions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de convergences, comme la croyance en un Dieu unique, qu'effectivement Dieu n'a pas d'associé, pas de partenaire que Dieu n'engendre pas, qui n'est pas engendré, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu physique, que Dieu n'est pas le Christ, mais que Dieu a envoyé Jésus comme illustre dans les deux mondes, ou agide, qu'il est la parole, l'esprit, la miséricorde venant de Dieu, donc plus qu'un prophète, qu'il a l'expression du caractère de Dieu, mais il s'est humilié et est devenu serviteur, et je pense que les deux religions peuvent se mettre d'accord que Jésus est pur et qu'il est encore vivant. Dans la Bible comme dans le Coran, il est appelé le Christ, le Messie, celui qui purifie, celui qui protège, celui qui donne la paix. Il est appelé Jésus, celui qui intervient pour sauver une situation. Et les deux livres nous invitent à le suivre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez ces textes avec lesquels... J'aimerais terminer cette présentation. Jésus dans le Coran dit, chapitre 3, verset 31, Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah le pardonneur et le miséricordieux. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et vous savez de qui ce texte parle Eh bien, lisez le contexte. Ce texte parle de Jésus et de personne d'autre. De même, dans le même chapitre, un peu plus, en, un peu plus loin, Jésus dit, je, suis, euh, je viens aussi confirmer la Torah, donc l'Ancien Testament, qui vous a été transmise avant moi, lever pour vous certains interdits, c'était Ce des, des interdits qui avaient été créés par les traditions que Jésus va enlever pour revenir au texte débarrassé de toutes ces traditions humaines. Et vous apportez un signe de mon Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi. Dieu est en vérité mon Seigneur le vôtre. Adorez-le car c'est là le droit chemin. On pourrait dire donc qu'adorer Dieu c'est le droit chemin. Oui c'est vrai. Mais regardez le texte parallèle qui nous dit la chose suivante. Azuruf donc la sourate 43 verset 61 où le texte dit ce sera un signe au sujet de l'heure n'en doutez point et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Donc, le droit chemin, ce n'est pas seulement d'adorer Dieu, mais c'est de le suivre. De suivre qui Alors là, beaucoup de gens disent que c'est quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas possible parce que le texte a un parallèle avec ce que nous avons lu. Dans la sourate numéro 3, il est dit Adorez Dieu et obéissez. Moi, c'est Jésus qui parle. Suivez-moi, c'est ça le droit chemin. Et dans cette sourate 43, si nous continuons à lire, au verset 63 64, il est dit, obéissez-moi, adorez-le, voilà un droit chemin. Donc c'est un parallèle qui ne peut s'appliquer qu'à une seule personne, et cette seule personne, eh bien, on le sait à partir du chapitre 3, Al-Imram, c'est Jésus. Donc le Coran dit deux fois, suivez-moi, deux fois il dit, obéissez-moi, et ça, c'est un droit chemin. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter, mais en tout cas, le Coran nous dit que si quelqu'un a des questions, qu'il demande à ceux qui ont lu le livre, ceux qui ont lu la Bible. Donc, la Bible nous donne réponse. Pour terminer, je vous salue en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. La paix de Dieu soit avec vous, sa miséricorde et sa bénédiction soient sur vous. Jésus, dans le Coran, c'est salam la paix. Jésus, c'est rahmatullah. C'est la miséricorde qui vient de Dieu. Jésus dans le Coran, c'est Barakatullah, la bénédiction qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que je souhaite que Jésus soit avec vous, alors que vous avez entendu qu'il faut le suivre et lui obéir. C'est ça le droit chemin. Merci beaucoup et à la prochaine.